Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouwou. Donc aujourd'hui nous allons jouer à ce jeu là, hein, Final Fantasy. Je suis content de vous retrouver parce qu'en fait le jeu, j'y ai joué plusieurs fois en gameplay devant vous, mais non enregistré en fait parce que j'avais pas envie, hein, il fait trop chaud. Ici, je m'en excuse déjà, mais j'ai mon ventilateur allumé parce qu'il fait trop chaud à crever, il fait 28 000 degrés. Donc voilà, il faut rester raisonnable. Je peux pas éviter ça, c'est pas possible. Donc voilà, comme ça vous savez que c'est normal si vous entendiez le vent et tout ça un peu ou quoi. C'est normal, c'est à cause du ventilateur. Voilà, voilà. Alors, que voulez-vous manger ? Je vais aller où ? Donc, j'avais déjà commencé de retour à parler avec... On va aller dormir déjà parce qu'apparemment, je pense qu'il commence à faire nuit. Ouais, on va aller dormir parce qu'il commence à faire nuit. On n'est pas mieux cadeau de Chocobo. Oh. J'arrive pas à me la sortir de la tête. Alors, je sais pas si vous entendez le retour, j'espère pas parce que c'est pour moi uniquement en fait. Un peu encore diminué. Voilà. C'est juste pour moi ce retour de son. C'est juste pour que moi j'entende, mais pas vous. Vous devez pas l'entendre normalement. En tout cas, le son doit être moins faible pour que vous l'entendez. C'est pas ouf pour le son, mais ça fera l'affaire pour les gameplay. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement essayer de retrouver la voiture. Ah, mais non, on va aller dormir. On peut aller dormir où ici? Ah, je pense que c'est par là, suivez-moi. C'est par là. Hey, on bosse demain. Ah, il court plus. Ah si, il recourt. Oh, je crève de chaud. Eh bah t'as qu'à enlever ta veste. J'ai jamais compris si c'était Noctis qui dit je crève de chaud, je pense que oui. Mais il est tellement beau gosse avec sa veste. MDR. Non mais c'est vrai que ça lui va bien cette veste, elle est vraiment stylée. Alors, on y arrive, on se dépêche, on traîne pas. Parce que là on est en tournage, on joue pas comme ça. De toute façon il y aura un traitement audio, hein. Vous arrivez au bon moment. Notre meilleure chambre est disponible. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oh, on va être tout confort pour faire dodo. Ah c'est marrant, j'avais pas fait attention à quoi ressemblait la chambre. C'est bien, on peut voir à quoi ressemble la chambre maintenant. Et ça c'est pratique. Bon, le truc c'est comme vous avez remarqué, il faudrait que j'entraîne mes personnages, hein, pour avancer dans le jeu. Parce que j'ai vu que les trucs étaient au niveau 18 au plus bas, là où je dois aller pour la quête principale pour le jeu. Donc ça veut dire que mes personnages devraient être au moins 25, 30, au niveau 25 ou 30 pour être plus ou moins tranquille. Donc je devrais les entraîner vraiment parce que c'est pas... Donc ici, cette semaine-ci aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai prévu d'acheter un... Donc c'est pour mardi. J'ai prévu d'acheter un micro cravate de la marque Boya. À 20€ là, vous savez l'avoir à 19,99€ sur Amazon, mais il faut compter les frais de port, donc ça monte à 20€, 23€, un truc dans le genre. On se fait 20, même pas 26, il me semble. Donc on se fait bien arnaquer de 6€, génial. Par contre, si je vais à MediaMark, là je paye 20€ pile, enfin 19,99€, mais vous avez compris quoi, c'est pas pour un cent. Donc du coup, je vais devoir aller à MediaMark à pied. Parce que là où je suis, c'est une heure maximum de quand tu es à pied. C'est 5 minutes quand tu es en voiture, mais il me semble. Mais quand tu es à pied, c'est une heure. Donc voilà, c'est un peu long. Mais bon, c'est pas grave. Hein, j'irai à pied s'il le faut pour le micro. Et du coup, vous aurez un micro-cravate qui sera... Enfin, du coup, c'est un micro qui sera intégré directement dans l'avoir média comme j'avais fait l'autre fois. Mais normalement, à ce moment-là, il n'aura plus le souci de son que vous avez eu, là, les parasites. Parce que là, il n'y a pas de prise sur une autre prise, vous voyez où je vais en venir.
c'est plus la même chose. Donc comme ça vous savez. Ouh, au niveau 19. Trop bien. Waouh, elle est cool celle-là. C'est vrai, je l'aime aussi. Oh putain, ouais, il y en a des pas, ouais. Wow, hey, pas mal, hein. Voilà, on va la garder. Bon, celle-là, elle est un peu nulle. Ouais. Ouais, elle est un peu marrante, j'avoue. Celle-là, elle est drôle. Non ! Non ! Non ! J'avais pas fini. Bon, tant pis. Je me suis gouré de trucs. Bon, ben voilà, on a bien dormi, hein. Bon, je sais que ça a sauvegardé, je suis au courant. Mais je vais quand même le faire une deuxième fois, c'est un toc. Parce qu'en fait, ça l'a pas fait en dessous. Non, en fait, ça a pas vraiment sauvegardé, c'est dans les sauvegardes automatiques que ça l'a fait. Mais pas dans les sauvegardes manuelles. Et c'est ça qui... Emmanuel, wesh. Donc c'est ça qui me dérange un peu, en fait, c'est que ça ne fait pas dans les sauvegardes manuelles. Et ça, c'est chiant. Bon, on y va. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver en mode gameplay. C'est vraiment génial. Je sais pas où sont mes personnages. Ah, ils sont là. C'est... Donc ici, on va passer en mode farming. Hein. On va pas faire des trucs trop compliqués. Bonjour. Parce que... Bah, ou pauvre dans le jeu aussi. Oui, j'ai beau... Désolé pour le reniflement. J'ai beau être riche dans le jeu, soi-disant, mais j'ai décidé que j'étais pauvre, voilà. Ouh, pauvre, ouh, pauvre. Une ville charmante, bien qu'il fasse un peu chaud. Oui, l'île est charmante, tu as raison. Est-ce que tu veux des saucisses grillées? Non? Saucisses grillées, pour tous. Allez, je vous offre des saucisses grillées. La boutique vous remercie. Revenez vite. Ah mais non, c'est pas pour manger ensemble. Non, moi je cherchais un truc pour manger ensemble, tu vois. Pour manger en groupe, mais c'est pas ça. Une sorte de restaurant. Mais non. Putain, j'ai mon nez qui me casse les pieds, c'est pas possible quoi. Il y aurait pas un restaurant. Attendez, on va trouver un restaurant. On va trouver un restaurant. Oui, parce que sinon je parle pas assez fort et du coup on m'entendra pas. Je dois essayer absolument de pas oublier que je suis en let's play, que je dois parler quand même à un certain niveau pour qu'on m'entende. Mon dieu, c'est grave, hein, j'oublie à chaque fois, du coup je commence à parler trop petitement et on m'entend plus. Ah, je m'y ferai jamais. Alors, c'est où qu'on peut manger ici? Nulle part? J'ai mon nez qui me casse les couilles en plus, mais tant pis. Ça devrait être bon. Ouais, bon, je trouve pas de cafétéria. En même temps, j'ai un petit écran, hein, je vais pas vous mentir. J'ai vraiment un tout petit écran, hein. Bon, maintenant, c'est essayer de savoir ce que je voulais faire. Quête. Ouais. Elle est où notre voiture? Ah oui, elle est là. Il fait trop chaud. T'as raison. Mais oui, il fait chaud à crever, man chez nous. Je pense qu'il n'a pas vraiment dit ça en fait, il a dit sûrement autre chose, moi j'ai compris trop chaud. Mais non, à mon avis, il dit belle journée ou autre. Mais c'est pas grave, on va dire qu'il a dit qu'il faisait trop chaud et du coup qu'on est d'accord avec lui. Quête. Oui. Prêt à repartir, les gars? Ça oui. Allons-y. Ah, je pensais que mon disque dur avait fermé mon truc. Ah oui, j'ai un disque dur externe, local, pardon, maintenant pour mon Avermedia. Un de la marque Crucial. Je l'ai acheté pour 30 euros sur Amazon.
Comme ça, si vous cherchez un disque dur très rapide et pas cher, de 120 gigas, ben voilà, ben, vous avez ça. En plus, même pour plus, hein, ils vendent jusqu'à 2 Tera pour 200 euros, si je me trompe pas. C'est du SSD, hein. C'est pas du plateau. Et pour un G, je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas, je trouve leur tarif très intéressant. Après, je sais pas si d'autres le font aussi, mais bon, en tout cas, moi j'ai acheté chez eux, donc c'est vu que ça a l'air de bien fonctionner jusqu'à maintenant, je vous explique un peu. Donc c'est de la marque Crucial, en fait moi j'ai pris la capacité 120 Go. Donc vous avez 120 Go pour 22,19€, 79 pardon, puisque pour le moment on est en train d'avancer dans le jeu, il n'y a rien à faire. Pour 240 Go c'est 35, 480 c'est 56€, hein, je parle pas d'autre chose. Pour 1 Tera c'est 102 et pour 2 Tera c'est 188. Comme ça vous savez un peu les tarifs de trucs. Moi j'ai laissé tout en normal, donc unique, starting, park engine et tout, parce que je m'en bats les couilles du park engine. Et voilà, comme ça vous savez ce que j'ai pris comme disque dur. C'est grâce à ce disque dur là que vous avez cette qualité de vidéo optimale, parce que je rappelle la vidéo, ce que vous voyez là est en maximum que l'Avermedia peut offrir. Aucune compression. Mais bien sûr, YouTube fait des compressions. On a besoin d'exercice. Hein, donc ça, vous pouvez rien y faire. Hein. YouTube derrière fait une compression, donc vous pouvez rien faire. Donc je sais que sur YouTube, c'est compressé un peu, mais un peu beaucoup même. C'est dégueulasse du coup, mais bon, ça, je peux rien faire. Alors, photographier le machin, mais je vois pas où est le machin. C'est moi ou je suis aveugle? Attends. Non. Ouais. Apparemment, il faut aller par là. Prudence. Des ennemis côté droit. Merci. Ça, c'est dans mes cordes. Admirez la performance. C'est pas vrai. T'es pénible avec tes missions en solo. Moi aussi, je peux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce cas, je te laisse ma place. J'avais justement envie de chasser. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Ne retire pas de la gueule. Une baston à mon lisère. Tiens le coup. Ouais, toujours en vie. Oh. Niveau 20, 25, mais ils sont trop. T'inquiète pas, Noct. Je te fais. J'espère bien. L'ancien est en fort. Bon, laisse tomber, ils sont. On n'est pas assez puissant. Mais je comprends pas, le mec il nous envoie. Encore une fois, il y a un problème au niveau des trucs là. Apparemment, je peux pas faire peut-être ça quoi. Mes personnages sont au niveau 18, je rappelle, ils sont pas au niveau 25, donc. Ouais, il faut que je fasse un entraînement, il n'y a pas... J'ai essayé de bouger, mais... Prochain, après ça, c'est entraînement, hein, parce que... Encore des vraiment, c'est quand même bizarre. Mais ça, de toute façon, je vous le montrerai pas, je ferai de mon côté à mon aise. Parce que ça va être chiant pour vous, ça c'est clair. Et du coup, je vais faire ça de mon côté. Tu pourrais courir, Noctis. Merci. En plus, je vais augmenter le son encore maintenant en post-prod, parce que il faut quand même que je laisse le son du jeu assez fort aussi pour qu'on entende bien les voix correctement, sans souci. Et si je peux carrément juste des milieux de 5 ou de 10, non, de 5,
et qu'on entend correctement, c'est parfait quoi. Faudra vraiment que je fasse un mix. Donc, comme j'ai dit, hein, que je parle assez fort pour qu'on m'entende. Ouais, ça, c'est à moi de faire le nécessaire. Bon, par contre, quand il parle en même temps, là, vous risquez d'avoir un peu de difficulté. C'est ça le problème avec ce Final Fantasy, c'est que quand les gens se mettent à parler tous en même temps, ça n'aide pas. Saucisses grillées pour tous. Après cette mission, on se quittera parce que je pense qu'on est qui est 18. Non, en fait, je pense que... Pourquoi je peux pas avancer? Non, en fait, j'ai 2-3 minutes. Normalement, il n'est pas encore 18 tout à fait. Mais... Normalement, il me reste 3 minutes. Donc, à 23, on... normalement, ça devrait être bon. Ça va être un long épisode pour vous. Putain, qu'est-ce qui se... Pourquoi je peux pas passer? Oula, j'ai un problème. Ah non, c'est bon. Ah bah ça va, on va pouvoir se quitter du coup. On a un temps magnifique. Tout à fait. C'est... Ça passe vite hein, le temps, putain. C'est ça en fait que pourquoi je préfère bien, acheter un micro intégré parce que sinon c'est... Parce qu'après le traitement et tout ça, c'est chiant. Allez, un petit clic. Tout ? Ouais, on triche un peu. C'est marrant de tricher. Ça va plus vite surtout. On va restaper là, ouais. On va se quitter sur le gros lard. Ah pardon, c'est pas un gros lard, il n'y peut rien. Le monsieur obèse. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais, on y va? Oui, je sais, c'est pas très gentil ce que j'ai dit. Bah, monsieur un peu enveloppé, quoi, tout ce que vous voulez. De toute façon, on s'en fout, c'est pas très grave. Bon, après, c'est pas grave ici parce que c'est un jeu, donc c'est un personnage fictif. Donc, personnellement, on s'en fout, on peut le traiter ce qu'on veut, puisque c'est un fake, il n'existe pas. Bon, après, tu vas me dire, gros lard, c'est le principe de c'est, on peut dire que c'est une insulte, mais techniquement, c'est pas... C'est la vérité, je veux dire, il est obèse, donc... je veux dire que c'est quelque chose qui blesse, mais qui est vrai, donc techniquement, voilà. Mais bon, c'est vrai que je suis contre les insultes, donc... Les enfants, on ne dit pas ça. Moi, je me suis foiré en... Je me suis gouré en termes de dialogue, parce que je suis concentré et qu'il fait chaud. Donc, pardonnez-moi. Mais sincèrement, je suis contre de ce genre de message. Il faut pas dire gros lard, il faut dire monsieur fort ou très enveloppé si vous voulez, ou monsieur à fort corpulence, tout ce que vous voulez, mais soyez respectueux avec les gens. Ça, c'est une chose qui est importante, parce qu'en fait le mot est sorti tout seul quand j'ai dit gros lard. C'est sorti tout seul, j'ai même pas pu, il a échappé de ma bouche. Donc j'ai plus rien fait. Allez, tout le monde descend. Comment ça, mais c'est pas ici que... Il est con. Attention, séquence photo. Ok, on rentre. Mais laisse se faire sa photo, imbécile, au lieu de dire ok, on rentre. Il me périt parce qu'il dit ok, on rentre et il laisse même pas le temps de terminer sa photo. Vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Quoi? Mais pourquoi tu quittes? Oh non! On va leur péter la gueule, hein. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Rigoler. Oh, cette arme, elle fait de la merde. Par ici.
T'es foutu. T'as à faire ça, Doc. Quel côté? Désolé. Caméra. Merci, caméra. Les caisses, soyons précis. Martien, tu fais des progrès, Franco. Adieu. Ça aurait pu être pire. Ah, bande de salopes. Bon. On s'encule bon, quand? Vous êtes tous prêts? Ouais. Allez, on y va, Grognasse. Oula. Waouh, quel beau paysage. Tu veux pas prendre une photo? Je crois pas que je serais capable de lui faire honneur. C'est surtout qu'on vient de démarrer, Coco. Elle va pas me faire arrêter de 10 000 fois. Il fallait le faire avant, hein, espèce de saucisse grillée. Le mec... Ah, quel magnifique paysage! Ah! On vient de se remettre en route. Que dirais-tu de se refaire chier à s'arrêter pour te pour refaire demi-tour pour que tu fasses une deuxième fois, une troisième fois une photo? Ça fait chier tout le monde. Ça te va? Non. Non. Voilà, c'est ma réponse. Je suis toujours prêt à faire plaisir à ce personnage si majestueux et beau et blond. MDR, XPT ou DDR. Mais voilà, ici il faut pas me prendre pour un con. On vient de partir, on va pas reprendre photo quoi. Laisse-nous faire d'abord quelques kilomètres quand même avant de demander une photo quoi. Espèce de saucisse grillée. Espèce de ouhou grillé. Ça va être un épisode assez long. Mais bon, ça va, pas grave. Dès qu'on est arrivé à chez Vif, ben on se quittera après la cinématique. Enfin, la cinématique après qu'ils se sont parlé en fait. Parce que ça va me faire trop long sinon après. Mais en tout cas, ça fait le plaisir de vous tourner un peu de vidéos au gameplay avec des voix. Parce que là, par exemple, il n'y a personne qui parle. Et c'est pas intéressant, quoi, sinon. C'est un peu ennuyeux. Donc, c'est une bonne chose, quoi. Et enfin, Laver Media ne plante plus. Parce qu'à chaque fois, quand j'avais pas de disque, quand j'utilisais la clé USB, j'ai acheté exprès une clé USB de 64 Go, pardon. Ça n'existe pas, 68 Go. Et du coup, en fait, j'avais pris pour enregistrer des vidéos dedans. J'ai acheté ça à Coral, elle était à 12-13€, je sais plus, non, à 10€. Nous avons intérêt à refaire le plein rapidement. Et apparemment, c'était marqué speed machin, USB 2 machin. Ben mon cul, c'est de la merde. C'est même pas du tout bon. Donc du coup, j'en ai eu tellement marre que je me suis dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Tu sais quoi? Je vais acheter un disque dur SSD, un disque SSD local, externe, quoi, qu'on met dans un PC, etc. Que je mette dans mon Laver Media, puisqu'il y a un emplacement pour ça. C'est ce que j'ai fait, je l'ai reçu, je l'ai mis dedans. Au début j'avais peur qu'il soit trop grand, mais non, faut faire attention parce que dans les photos en fait ils vous montrent la taille du disque dur, mais c'est pas si grand que ça en fait, c'est du mensonge, tout est zoomé, c'est vraiment petit quoi, c'est dingue à quel point la réalité est déformée quoi. Il faut pas être pressé avec lui. Hein. Ça y est, on y est. C'est réconfortant de voir enfin des gens. Et si tu veux des saucisses grillées, tu les fais griller comment? Explique-moi tout.
on s'intéresse en Wuhu Noctis Media. J'imagine du coup Noctis en mode je suis Wuhu de moi. La preuve, regardez, c'est la vérité, c'est un Wuhu de lui. Alors. Trop chaud ici. Ah. Vous revoilà. Alors, c'est ça. C'est un succès. Vas-y, juge par toi-même. Magnifique. Ouh. Et parce qu'à chaque fois, il y a une photo qui est. Bon, on va prendre celle-là. Que je me trompe pas. Yes. Bah par contre celle-là c'est de la merde hein. Oh oui, c'est du très bon travail, des clichés parfaitement publiables. Pour être parfaitement honnête, j'ai développé tout ce projet sans rien dire à mon équipe. Si vos photos avaient été nulles, j'aurais eu l'air ridicule avec mon idée d'enquête. Mais alors, t'es le rédacteur en chef ? Rédacteur ? Je suis PDG. Hein ? Je suis le président directeur général de Meteor Publishing. Quoi ? On dirait pas ? Pas du tout. Au moins t'es franc. Je fais pas très PDG, mais j'espère qu'on retravaillera ensemble. Est-ce que tu veux une saucisse grillée ? Je peux t'en offrir gratuitement. On crève de chaud. Saucisse grillée, pour tous. Bon ben voilà. Hein. Tu sais où tu vas, non ? Tiens, ta gueule, toi. Reporter photo. Une petite mission, ça vous dit ? Ouais, pourquoi pas. Je bosse toujours sur mon gros projet d'enquête sur les vieilles légendes. Mais il me manque un cliché du tombeau royal du Bosquet des Vestiges. Et pourquoi ce tombeau royal en particulier ? Enfin, tu le sais bien. Il y a un lien entre la famille royale du Lucis et plein de légendes mystérieuses. C'est pas sûr comme quoi, mais bon, ça se tente, non ? Ouais. J'espérais bien que vous me diriez ça. Si possible, prenez aussi un cliché du portail. C'est un bel exemple de l'esthétique et du design minutieux du Lucis. Il fait trop chaud ici. Voilà, c'est bon. Bon bah c'est parfait hein. Donc on se dit à bientôt bande de trucs compressés. Et portez... Oula. Portez-vous bien, c'était Wuhu Noctis reportage.inc. Et je vous dis à bientôt, bande de trucs compressés, parce que nous sommes tous compressés, nous le savons, de Wuhu Coquin. Nous sommes tous Wuhu Coquin en soi. Je pense que je vais prendre... Voilà, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien pour le prochain épisode de Wuhu Fantasy, bande de trucs coquinous. Mauvais ici. Je trouve que tout a un peu le même goût.